La République de Guinée, avec à la tête le président de la République Alpha Condé, les Guinéens attendent de l'État la promotion d'un appareil administratif performant avec des agents responsabilisés et motivés. Un appareil administratif à la hauteur de nos ambitions de développement, ce qui est tout à fait dans l'ordre du possible au regard des ressources humaines de qualité dont recèle l'administration guinéenne. Un pays actif dans le difficile combat pour l'avènement d'un monde de paix et de liberté. Avec le président Alpha Condé, la Guinée voit et continuera la prospérité. Tous les matins également sur Espace TV, vous nous recevez chez vous. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous le disais tantôt à la une, les élections en Afrique et le rôle des missions d'observation. On en parle ce matin, au moment où l'organisation des scrutins ne permet pas encore l'alternance. La présence des missions de l'Union africaine, de la CEDEAO et maintenant des organisations de la société civile du continent est une onction pour un processus qui devrait être accepté de tous. Et quelle que soit donc leur dénomination, elles finissent toujours par produire des rapports qui ne remettent pas en cause la crédibilité, la sincérité du vote. Et même si elles reconnaissent leur caractère souvent non inclusif, elles ne partent jamais au-delà des recommandations qui ont pour seul objectif de préparer des prochaines échéances. Pour une certaine opinion et non la moindre, les missions d'observation électorale sont loin d'être une contribution à la consolidation des principes démocratiques dans nos pays. Quel rôle devrait-on leur assigner désormais? Jacques Léo Alleneux pose cette question ce matin. Et comment les rendre plus utiles dans un processus électoral parfois conflictogène? L'ancien Premier ministre de la Transition rentre d'une mission d'observation au Burkina Faso. Il analyse ce sujet avec nous ce matin dans notre émission. Monsieur Kamini Camara, ancien Premier ministre de Guinée, chef de la mission de la CEDEAO du côté du Burkina Faso. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir sur le 657 39 13 13. On va s'intéresser évidemment avec ces messages des auditeurs. Ce premier qui nous parvient, bonjour les GG, bonjour Lamine. Je pense qu'aujourd'hui, les enseignants sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé dans la mesure où ils ont trahi au bout de leur combat. Sinon, on n'allait pas assister à cette barbarie au sein du système éducatif. C'est Poredaka Diallo qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Monsieur le Président dit que les cadres malinqués sont malhonnêtes. Lamine, il faut que le pays change. Voilà. C'est l'auditeur, malheureusement, il s'appelle Ousmane Keïta qui nous envoie ce message. Voilà. Merci beaucoup. Allez. On reste toujours avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les membres d'Espace TV et bon début de semaine à vous tous. Je suis vraiment très content de vous. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas comment cette obscurité va finir. Voilà. Il parle de l'obscurité. C'est monsieur Fasséli Traoré depuis Nongo qui nous envoie ce message. Les vrais gens qui s'expriment dans cette émission. Bonjour les GG. Bonjour la mini. Une fois, je partage l'avis de Moussa Moïse. On ne doit pas permettre aux riches de venir acheter des hectares de parcelles à vil prix et revendre donc aux pauvres au plus bas. C'est une façon de maintenir donc les pauvres au plus bas niveau. Donc c'est monsieur Kanté qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ce que Moussa Moïse dit, c'est vrai. Avoir 10 parcelles, tu vas forcément avoir des problèmes avec les coutumiers. Et puis, nos parents doivent cesser de vendre ça. C'est une source, c'est le source d'histoire. Monsieur Sila Ibrahim qui nous envoie. Il est vraiment populiste, Moussa Moïse, là. Hein, c'est dingue. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est qui exactement? Hassan Sila. Bonjour, Lamine. Bonjour à toute l'équipe. Ma solution est de nommer Dr Ousmane Kaba comme ministre d'éducation et Moussa Dadis Camara comme ministre de la Défense. Voilà, c'est... Il y a des vrais gens qui s'expriment dans cette émission. Évidemment, il s'appelle Ousmane Silla. Bonjour les grandes gueules. Sachez que qu'il y a un opérateur économique qui a acheté 55 hectares rien qu'à Frigiagbe. Merci, il s'appelle Silla Patrona UDG. Voilà, c'est pas possible. C'est terrible, hein, voilà. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Turbo, toute l'équipe Nala. Il faut que certains sites d'information en Guinée s'inscrivent dans la vraie déontologie pour le respect de ce métier noble. Comment certains sites peuvent affirmer publiquement que les corps des albinos ont été retrouvés, ont été découverts donc au domicile du douanier? Voilà, il pose la question. C'est un auditeur évidemment qui nous écrit ce matin.
On va aller maintenant sur Twitter, évidemment, avec les auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir hein, aussi de ce côté. Mariam Diallo qui nous écrit sur Twitter, hashtag espace GG. Bonjour les GG. Je vous regarde depuis Wisconsin aux USA. Le problème avec le secteur de l'éducation en Guinée, c'est que le métier n'est pas respecté. On ne peut jamais assez payer un enseignant. C'est un métier noble. Nous avons aussi Suleiman Coach Bereté qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Les écoles privées évoluent comme dans une jungle, sans le respect de la loi de notre pays. Ces écoles arnaquent à ciel ouvert les parents d'élèves et pour le paiement des mois non enseignés. Pour eux, qu'est-ce qu'il veut dire? Je comprends pas, mon cher Bereté. Applique-toi un petit peu, mon cher ami, s'il te plaît. Docteur Kiss, ange royal aussi, qui nous écrit sur Twitter. En matière d'éducation, le secteur privé est le cadet des soucis du gouvernement. En cette période de Covid-19, par exemple, il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour ce secteur qui laisse certains fondateurs agir comme des despotes sur leur employé. Dommage, hashtag espace GG. Kerno Gobico aussi qui nous écrit. Donc, ils nous ont saoulés tout ce week-end dans cette histoire de corps d'albinos, dans le vide, quoi. Voilà. Mais, les fake news, voilà. Les fake news, tu vois comment il dit ça en plus. Hein. Les fake news ont pris une proportion inquiétante dans ce pays. Voilà, hashtag espace GG. Ils sont terribles, ces auditeurs. Marie Oumar aussi qui nous écrit, bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe en Guinée. Les tueries ne cessent de s'accroître du jour au lendemain. Je ne sais pas où va notre pays, c'est triste. Voilà, c'est Oumar Barry qui nous envoie ce message. Mamadou Diaw Guinée aussi qui nous écrit, bonjour les grandes gueules. L'enseignement est un métier noble et la solidarité de l'éducation est le fondement d'un développement durable d'une nation. Mais je vous assure que la majorité des écoles guinéennes sont devenues des entreprises d'arnaque. L'État doit prendre ses responsabilités. On va rester toujours dans le sillage avec toujours ces auditeurs. Ils sont très nombreux à nous écrire. Nous avons Siba Engagé aussi qui nous écrit, le cousin donc de Cabinet Condé. Bonjour les grandes gueules. L'éducation est la pierre angulaire du tout développement, mais notre gouvernement n'en fait pas sa tasse de thé. Pour preuve, le budget de l'enseignement est l'un des plus faible dans le BND et combien d'écoles construites en 10 ans, il pose la question ce matin. Makil Darassalam aussi qui nous écrit, bonjour les GG, l'État guinéen ne contrôle pas l'éducation à la Gorée, qu'est-ce qu'il veut dire ? À la Gordée, donc dans la sous-préfecture de Diomfo, dans l'Abbé, l'enseignant envoyé par l'État ne vient que 3 jours et il dit à nos parents que c'est ainsi son contrat. Il semble qu'il est en complicité avec la DSPE. Voilà, il veut dire. On reste avec Individu Guinée aussi qui nous écrit sur Twitter. Si je comprends bien, le douanier est en train de construire un autre bâtiment. Où est le douanier où est-ce que le douanier a eu l'argent? Voilà, il pose la question. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour la construction du second bâtiment? Écoutez, nous on s'en vient. Peut-être on va poser la question à votre patron ici, Moussa Moïse. Là, on y va avec cet autre aussi, Babili Mansa qui nous écrit. Bonjour les espaciens. L'ouvrier a perdu sa vie pour à peine 10 euros. Et jusque-là, rien n'est fait. On ne fait que spéculer et supputer donc partout. Il faut que ce peuple se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Hashtag espace GG. On reste avec Suleiman Baldé aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Le système éducatif guinéen est malade. Un licencié qui donne un cours de licence ou même les étudiants connaissent mieux que lui cette question. Allez sur Google, tu persistes trop sur la session qui sera son verdict à la Guinée. On recrute. On reste avec Machala Diallo aussi qui nous écrit sur Twitter. En voyant ce genre de problème de société dans notre pays, on comprend en même temps l'échec de la Guinée tant que les idées nous resteront toujours là. Je ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire. Ada Kadiada Baha qui nous écrit, bonjour les GG, si les déclarations de Moïse s'avèrent être ce que c'est réellement passé le week-end dernier, le douanier doit être poursuivi pour homicide parce que c'est pas normal de poursuivre un individu à 4h du matin.
pour quelques raisons que ce soit. Donc, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Nous restons avec Barré Coulé aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Dans un fonctionnement normal, le devoir d'exemplarité doit être de rigueur pour tout fonctionnaire. Pour autant, ce gendarme continue à sa façon de créer de l'emploi dans cette zone. Il parle de douanier, évidemment. Je serais curieux de savoir l'avis de la justice dans ce dossier. On reste avec ce dernier qui nous écrit. Lui, c'est qui exactement? On va rester dans le sillage parce que je l'avais perdu. C'est Koumar Bolé qui nous écrit. Bonjour les GG. En Guinée, tellement qu'il y a le chômage, les employés sont obligés de se soumettre à toutes les exigences de leur employeur pour garder donc leur emploi dans des conditions très déplorables. Une pensée ce matin, voilà, à tous les enseignants et aux ouvriers dans les usines. Voilà, ils sont très nombreux à nous écrire tous les matins. On va y aller maintenant avec, évidemment, l'autre animateur de cette émission, l'autre animateur junior de cette émission, et qui n'est autre que Alpha Moussa Makadabi. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue à Daouda Mohamed Camara chez les Grandes Gueules, un journaliste brillant, objectif stable et stabilisé dans la tête. Mélamine, est-ce qu'il sait que chez les GG, on arrache la parole pour imposer donc sa dictature dans les analyses? Il pose la question, je vais lui donner quelques cours dès ce soir. Lamine, c'est Alpha Moussa Makadabi qui nous envoie ce message. Pas possible. Il est terrible ce garçon. Allez, on y va avec cet autre qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe Nala. Il faut que certains sites d'information, voilà, je pense qu'on a lu ce message, c'est Sinani qui nous envoie ce message. On a cet autre aussi qui nous écrit, lui c'est Pablo du côté de Bégélia qui nous écrit. Lamine, Moussa sait mieux que toi et moi pour avoir connu la Côte d'Ivoire, réputé pays d'agriculteurs par excellence, que la plantation ne se fait pas que sur 2 hectares ou 3, à défaut d'un plan focal d'urbanisme. Vendre 100 hectares à l'état sauvage, à un nanti qui a les moyens de débroussailler et c'est construit donc à la qu'est-ce qu'il veut dire, viabilisation de la brousse. Donc c'est Pablo qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Sinon, mes amitiés à Moussa Hiro qui embellit donc depuis la dernière maternité. Ouf, c'est Fanny Luc qui nous envoie ce message. Ils sont tellement bizarres ces auditeurs, c'est la folie quoi, je vous assure. Allez, on va continuer toujours avec les auditeurs. Ils sont très nombreux à nous écrire. Un dernier pour la route avant de continuer l'émission. Ok, c'est évidemment Cabinet qui nous envoie ce message. Vous êtes en antenne, mon cher Moussa Mouissi. Voilà, on va s'intéresser évidemment à cette affaire de détournement de 200 milliards. Les derniers développements, mon cher Moïse. Les derniers développements, c'est d'abord le bâton qu'on brandit contre la presse. Je pense qu'il faut peut-être s'attendre dans les jours à venir à quelques convocations de quelques confrères. On verra bien vers qui ça va aller. Mais ce que je veux m'appesantir d'abord sur le communiqué du gouvernement qui a déploré donc que la presse ait levé le lièvre, parce que ce qui a été fait, on a quand même mis sur la place publique Guinée News à l'initiative donc un cas présumé de détournement. Ouais. Je pense que la communication gouvernementale aurait dû s'accentuer sur les preuves à brandir à l'opinion publique pour les rassurer qu'il n'y a pas un début de détournement, un tantinet soit-il. Mais quand on laisse tomber le problème véritable et qu'on s'attaque à ceux qui ont levé le lièvre, je pense que là, ça me laisse un tout petit peu perplexe. Et que le procureur s'auto-saisisse, non pas, peut-être que j'ai mal compris, mais non pas d'abord en priorité pour mener des enquêtes afin de réunir toutes les preuves sur le présumé détournement de ces 200 milliards, mais beaucoup plus sur les allégations qui ont été portées par la presse. Est-ce que c'est tel média qui l'a affirmé? Est-ce que ce média est fondé à le faire? Est-ce qu'il y a des preuves à l'appui et tout cela? Je pense qu'on est en train de se tromper d'objectif. Tous les médias, toutes les radios ont repris cette information. Qu'on envoie les convocations à tout le monde et puis comme ça, on se trompe vraiment d'objectif. Je pense que l'objectif, et c'est à l'initiative de qui? Les opérations éperviers, les opérations dragons qui ont été menées dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest contre la corruption, contre les détournements des données publiques. Ces opérations ont été menées avec succès et c'est à l'avantage des régimes, des gouvernants qui l'ont fait. Donc, lorsque vous levez le lièvre, surtout dans un pays comme la Guinée, qui est quand même gangréné
par la corruption. C'est une pathologie de la gouvernance dans ce pays. On ne peut pas du tout le nier. Mais quand la presse lève le lièvre et que le gouvernement s'auto-saisisse, mène des enquêtes et trouve des coupables, les met à la disposition de la justice, bon, que la justice fasse son travail, mais c'est à l'avantage de qui? C'est pas l'avantage de l'opposition, c'est pas l'avantage de la presse, c'est à l'avantage de la gouvernance que le président de la République voudrait autrement. Je pense qu'il faut voir le problème sur cet angle-là. Les menaces, la justice, c'est pas une épouvante. C'est quand même un refuge pour quiconque sait qu'il marche sur le chemin de la vérité. Ce dont le peuple a besoin aujourd'hui, c'est des preuves, des éclaircies dans cette tempête sur ce qui a été affirmé. Est-ce que c'est vrai? Par exemple, sur la dérogation, il y a des cas spécifiques. La dérogation demandée, pourquoi elle n'est pas passée? Le ministère de l'enseignement technique n'est pas passé par le ministère du plan en ce qui concerne le décaissement des 35 milliards pour les achats spécifiques, l'ouverture des salles de classe. Pourquoi avoir écrit directement au ministre du budget? Parce que c'est affirmé tout de même par Guinée News. Je vais vous lire juste cette partie parce que Babila d'Inquisiteur s'est intéressé à ce domaine. Et Le Pan, Guinée News dit, avec la complicité du ministère du budget, elle a négocié et obtenu un crédit supplémentaire de plus de 35 milliards de francs guinéens pour, dit-on, équiper les centres de formation professionnelle, les CFP de Kankan, Kourousa, Kérouané, Sigiri, Zélekouré, et sachant que cette rubrique relève du volet investissement du budget national et de facto de la ministre du Plan et du Développement économique, Mamakane Diallo, qui semble être regardante des procédures. Elle a donc bypassé celle-ci pour utiliser la complicité du ministère du Budget via une lettre adressée au ministre du Budget dont nous détenons copie. Les grandes gueules. La Direction nationale des investissements, elle a indiqué dans l'intitulé de la dite lettre « Achat d'autres produits spécifiques » au lieu de mentionner « Achat des équipements qui auraient exigé » des justifications à la matière. À date, l'argent a été décaissé. La liste des entreprises au nombre de 9 via un contrat gré à gré existe, mais aucun équipement n'a été acheté pour l'argent. Seule la ministre Zénab pourra dire où sont les 35 milliards. Alors, Babila, les CFP existent. Il suffit de parler avec les différents responsables de ces CFP, notamment du côté de Zérekoré. Alors, vous voyez que du côté de Zérekoré, les CFP qui existent, avec les mêmes entêtes, fiches de délégation des crédits, on se rend compte que du décaissement par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de 41 300 000 francs guinéens pour l'école de soins de santé communautaire de Zérekoré. Achat produits spécifiques avec les mêmes intitulés. Pour le motif achat d'autres produits spécifiques, à l'école nationale d'institutions ENI de Zérekoré, il y a 30 millions. Et également pour le centre de formation professionnelle, 50 millions ont été décaissés. Alors si vous prenez les trois centres dans le cadre de Zérekoré, vous avez un montant total de 121 millions 300 000 francs guinéens. Donc, ajoutez à cela les autres centres de Kourousa, de Sigri également qui ont été cités, vous êtes très très loin des 2 milliards de francs guinéens, même pas des milliards de francs guinéens. Ouais. Ce sont des faits, ce sont quand même des lièvres que la presse lève. Alors, éclairer nos lanternes là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une chasse à Zénab. Zénab, on sait bien qu'elle vient d'arriver. Ceux qui sont très rompus dans la corruption dans ce pays sont bien connus. Ils se réclament d'ailleurs du RPG originel. Ouais. Les immeubles qu'ils ont fait pousser là, ça n'a absolument rien à voir avec le cas de cette dame. Ouais. On en sait un peu plus. Ils sont aujourd'hui à des fonctions tellement hautes qu'ils sont capables de tuer la mouche qui va essayer de faire un quelconque bruit là-dessus. On sait ce qui se passe. Mais quand même, sur ce cas spécifique, c'est un début. C'est le président qui a parlé de gouverner autrement, de moraliser la gestion de la gouvernance qu'il a. Donc je pense qu'il faut s'attaquer au véritable problème en apportant des preuves pour démentir ce qui a été fait. Ouais. Je comprends un tout petit peu. Il y a un membre de la galaxie présidentielle qui m'a dit que vous voyez un gouvernement quand même qui travaille à obtenir des résultats avec les partenaires au développement, avec le FMI, les institutions de protection. Vous voyez ce gouvernement reconnaître qu'il y a eu une déperdition à hauteur de 200 milliards dans ces caisses, c'est pas possible. Il ne le reconnaîtra jamais. Je pense que, mais c'est pas à l'avantage du peuple. C'est pas à l'avantage de ceux-là qui veulent avoir des résultats parce que des résultats, vous en avez quelques-uns. Donc on ne peut pas quand même passer sous silence un tel dossier. On ne demande pas à la tête de Zénab, on demande la vérité sur ce qui a été fait avec l'argent du peuple.
Bien dit. Allez-y. Tu as touché un point, mon cher Moïse. C'est de dire les arrivistes qui viennent d'arriver. Parce que tous ces problèmes-là, je vais pas dire que en 10 ans tout a été tout était bien. Mais depuis l'arrivée de ces gens qui viennent de je ne sais d'où exactement, eh ben les problèmes ont commencé. Non mais c'est vrai parce que quand vous regardez RPG Arc-en-Ciel, les vrais militants, comment ils galèrent ces gens-là, c'est incroyable. Ils végètent dans la pauvreté. Ouais. Les gens qui viennent d'arriver se disent « Ok, non mais c'est bon quoi, on peut se mettre plein dans la poche et tout. » Ça ne va pas se passer comme ça, allez-y madame. Les grandes gueules. Lamine, je pense que contrairement à ce que Moïse a dit, ça aurait pu être un bel exemple pour le gouvernement guinéen, c'est-à-dire ouvrir une enquête, élucider cette situation pour l'opinion, pour le peuple de Guinée, mais aussi justement pour ces bailleurs-là, pour ces partenaires-là. Mais dire que oui, parce que cela éclabousserait l'image. Mais l'image de la Guinée, nous savons que la corruption gangrène le pays. Ouais. C'est pas parce qu'on a parlé de 200 milliards que oui, le gouvernement va dire que ça va le salir. Nous savons comment les choses se passent. On n'est jamais dans les meilleurs classements, en tout cas en ce qui concerne la corruption dans le monde. Mais dire que oui, parce que la presse a levé ce lièvre. Est-ce qu'il faut pour faire une chasse aux sorcières contre la presse, il faut aller... J'ai vu déjà que la dame elle-même s'est levée, elle a décidé de parler, elle a décidé de porter plainte. Ouais, j'ai vu ça ce matin. Son avocat. Oui, ce que je trouve quand même dommage. Il n'y a pas une discrimination. Il y a des faits quand même, si tu te permets, il y a des faits sur lesquels on vous accuse. Madame. Non, c'est normal qu'elle veuille elle-même, mais à la presse aussi, d'être sur le terrain, de cravacher dur pour sortir les preuves qu'il faut. Il y en a. Parce qu'on parle quand même de 3 départements différents. On parle du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé, mais aussi du département qu'elle dirige en ce moment. Je pense qu'à la presse de se mettre à la tâche, de travailler mais de façon extraordinaire, professionnelle. Hein. C'est, la Guinée reste, on est toujours... Ouais. C'est comme si on était, comme on le dit souvent, sur un 6e continent. Ouais. Les choses qui se passent ici, c'est juste extraordinaire. Je pense qu'on aurait pu, au lieu de sortir ce communiqué laconique défendant la ministre, prendre acte de l'article, de faire... Même s'il faut peut-être quand même écouté Boudou, approcher. Hein, c'était vendredi dans votre vendredi, émission. Vendredi, on l'a appelé. Il était droit dans ses bottes. Il était sûr de ce qu'il a fait. Un journaliste professionnel, c'est quand même quelqu'un qui a fait plus de 30 ans dans les médias. Ouais. Qui ne pourrait pas se permettre une telle bourde, comme c'est un appel au soir, parce qu'il pourrait peut-être laisser la presse. Mmh. Après 30 ans, c'est pas 2 jours. C'est un professionnel. Ouais. Et on a écouté aussi Ibrahim Sori Traoré, Guinée qui 7. A corroboré une partie de l'enquête, notamment sur les fonds de l'AFD. Ouais. Maintenant, aux autres médias, parce que je vous dis, c'est comme une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur nos têtes. Là. Parce qu'on veut faire croire que oui, les médias, c'est du n'importe quoi, on invente des choses. On n'a rien contre une personne. Ouais. On est là justement pour qu'on sache que les médias doivent jouer leur rôle. Les médias doivent avoir un regard sur la gestion publique, sur ce qu'il y a. C'est le rôle premier d'un média. Creuser, investiguer, savoir ce qui se passe. Personne n'a un ennemi dans le gouvernement. Ce gouvernement est là pour le peuple de Guinée. Et quand les choses ne sont pas bien gérées, c'est le rôle, c'est du ressort des journalistes de creuser et dire voilà ce qui se passe. Quand ça se passe bien, on le dit. Quand ça ne se passe pas bien, on le dit. Et c'est à eux de creuser, de mettre en branle la justice. Ouais. Comme le procureur s'est auto-saisi, on attend de voir ce que ça va donner. Ouais. Allez-y, mon cher Daouda. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut déjà commencer à se féliciter de ce qui est en train d'arriver. Parce que pourquoi se féliciter? On a entendu cette déclaration de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel effectivement ce week-end. Ouais. Et d'un côté, on a vu d'autres qui tout de suite se lèvent pour dire non, ce sont des jeunes manipulés. Mais du coup, on n'a pas encore entendu le bureau politique national du RPG qui condamne cette déclaration de la jeunesse. Ouais. Et des langues qu'on a tirées avec certaines sources du RPG Arc-en-Ciel, c'est que sur les 51 sections de la jeunesse du RPG à Conakry, toutes les sections unanimement ont condamné la position du gouvernement. Ouais. Et le bureau politique soutiendrait aujourd'hui cette position de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, mais aussi le président de la République serait celui qui est derrière ce dossier, pas que sur Zénab, mais sur beaucoup d'autres ministres qu'il a dû entendre depuis 3 mois. Et il a des consultations avec les différents ministres des différents départements. Et c'est à l'issue de cela que ce premier jet sur Zénab est sorti, mais il y a aussi d'autres ministres qui attendent sur le banc. Mais ce qui m'a le plus écœuré dans cette affaire, avec ce communiqué du gouvernement, d'abord qui est venu avec une intention de duper le peuple, parce qu'il profite du Conseil des ministres pour sortir ce communiqué
à côté du conseil, du compte-rendu du Conseil des ministres, comme pour faire croire à la population que c'est un sujet qui a été débattu au Conseil des ministres. Et on ne peut pas débattre une question au Conseil des ministres et que cela ne soit pas ressorti dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Ouais. C'est un communiqué qui a été fait parallèlement. On fait lire cela par le porte-parole du gouvernement et faire croire à ceux qui ne fuiraient pas en profondeur que c'est une décision aussi que le président de la République accepte de faire passer. Mais ce qui reste clair, que le gouvernement fasse communiquer et qu'il mette en garde la presse qui est déjà qui constitue aujourd'hui un ennemi pour ce gouvernement et qui veuille défendre un dossier dont il ne semble pas avoir tous les éléments d'information, ouais. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin, vouloir démentir quelque chose sans nous dire sur quel élément vous partez pour démentir. Et si le gouvernement doit dire que c'est faux, c'est que la presse est en train de dire, il faut bien que le gouvernement nous dise, voilà, on a fait des enquêtes à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, voilà les résultats que ça nous donne, alors la presse a menti. Ouais. Mais cela n'a pas été le cas, en moins de 24 heures seulement, on dit non, ce que vous avez dit, c'est faux. Ouais. Mais il faut que la presse reste en rang serré. Je n'ai pas compris cette position du gouvernement. On a vu à un moment donné ici Mustapha Naïté. Qu'est-ce que Mustapha Naïté n'a pas subi comme lynchage médiatique sur ses propriétés? Nullement, on a vu le gouvernement faire un moindre communiqué. Pas que lui, Bantamasso aussi d'ailleurs. Bantamasso. Après la Coupe d'Afrique. On a vu Mami Djabi, oui. Mustapha Mami Djabi. Ouais. Mais pas un moindre communiqué. Il y a des barons. Il y a des barons. Il y a des barons aujourd'hui. Ouais, ouais. Et on vient nous duper avec d'autres dernières informations pour dire que le président de la République se serait entretenu avec l'ambassadeur de France et la représentante de l'AFD. Et on sait bien. C'est que le président Alpha Condé aime quand il a à côté de lui, quand il reçoit au palais un blanc, et tout de suite, ça passe à la RTG. Ouais. Mais cet entretien avec l'ambassadeur de France, avec le représentant ou la représentante de l'AFD, mais nullement, je ne sais pas si Lamine, vous avez vu ce... Non, je n'ai pas vu le contenu à la télé. Alors, on aurait vu ce contenu quand même à la télé, oui. Pour dire que le président s'est entretenu avec l'ambassadeur, et voilà ce qui a été dit. Ouais. Mais jusque-là, le président est resté muet là-dessus, il ne parle pas, c'est seulement des gens qui s'agitent autour du président et qui veulent aujourd'hui soutenir Zenab. On n'est pas contre la tête de Zenab. Personne n'est contre Zenab. Et l'autre élément, peut-être que ça va arriver les jours à venir, l'autre élément, et des individus autour du président seraient aujourd'hui en manœuvre de vouloir faire venir le président au siège du RPG Arc-en-Ciel, communiquer sur cette question. Oula. Et dire aux gens que on est en train juste d'accuser la dame. Ouais. Mais je crois qu'à cette position, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel ne serait pas pour. Ouais. Et il y a même les jours à venir, on saura bien les différentes positions au sein du RPG Arc-en-Ciel sur cette question. Merci beaucoup, hein, Daouda Mohamed Camara. Allez-y, mon cher. Non, mais j'ai mal d'abord pour la jeunesse du RPG qui a fait un communiqué pour une fois responsable. Qui a désavoué le gouvernement. Le gouvernement a extrêmement mal communiqué sur ce sujet. Ouais. C'est une faute. Les preuves, c'est pas au gouvernement d'abord de dédouaner la ministre, c'est à la justice de le faire. C'est la première des choses. Ce n'est pas au gouvernement de dire elle est coupable ou non coupable. Il faut qu'on apprenne dans ce pays à faire confiance à notre justice. Deuxième chose, il va falloir que le président de la République comprenne une chose importante. Ce mandat-là, son seul ennemi ou son adversaire, l'adversaire de la démocratie, l'adversaire du président de la République, c'est la corruption et ceux qui le sont. Point barre. Il va falloir que le président le comprenne. Et puis, il y a quand même... Alors, on a parlé de cela. Moi, il est hors de question de remettre en cause l'enquête de ce journaliste qui est effectivement, comme Mme Moussa Yaou l'a dit, un journaliste chevronné. Je suppose que s'il a sorti une telle enquête, c'est qu'il sait sur quoi se baser. Toutefois, moi j'ai un souci, c'est que le tribunal des réseaux sociaux l'a déjà condamné, cette ministre, et ça me pose un problème. Je dis à nos concitoyens, lorsque l'on veut construire une démocratie, lorsque l'on veut respecter la République et qu'on prétend lutter pour la démocratie, on en respecte d'un principe fondamental, c'est la présomption d'innocence. C'est extrêmement important dans un état de droit. On ne peut condamner, nul accusé n'est coupable avant de l'avoir été désigné
par la justice. Et c'est important qu'on arrête sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qu'on arrête de condamner les gens avant qu'ils ne soient jugés. On a rappelé le cas de Naïté, le cas de Bantamanso, c'est la chasse aux sorcières. Et bien alors j'ai une annonce solennelle à faire. La guerre de succession, mon cher ami, a commencé. Et, oui. Et alors, ça va défourailler dans tous les coins. Il va y avoir des histoires abracadabantesques qui vont sortir de tous les côtés. Et le président de la République va se régaler en politique qu'il est. Il va les regarder s'étriper en feu. Et moi aussi, et nous aussi ici, on va les regarder s'étriper. Et puis, il va y avoir des histoires comme ça qui vont sortir. Mais malheureusement, si ça continue à l'allure où ça continue, ça ne mènera à rien. Je rappelle quand même ici qu'il y a quelques mois, il y a eu l'histoire de la RTP avec 58 millions. On en est où? On ne sait pas. Je rappelle, et ça, Moussa Moïse l'a dit tout à l'heure, c'est une très bonne chose pour l'État, c'est une très bonne chose pour le président de la République et pour son mandat à venir que l'on lutte contre la corruption. Au Nigeria, récemment, la ministre du pétrole a été condamnée à rembourser 148 millions de dollars à l'État. Voilà un État qui fonctionne. Donc, s'il vous plaît, je vous le redis, il va falloir que si on veut construire une démocratie que l'on en respecte les principes au fondement, la présomption d'innocence, c'est vraiment important. Merci beaucoup Ahmed Kourouma. Allez-y, mon cher Jacques. Le président de la République doit s'assumer. Ouais. Il ne peut pas passer pendant les grandes gueules à dire aux Guinéens qu'il va lutter contre la corruption. Pendant 10 ans, il a dénoncé la corruption. Mm. Pendant 10 ans, aucun acte de corruption n'a été sanctionné dans ce pays. Il y a eu Diawara quand même. Quand ce ribine est arrivé, c'était un lampiste. C'est pas une sanction. Est-ce qu'il a remboursé? Enfin, ça, c'est l'autre question. Non, ça n'a pas été sanctionné. Les grandes gueules. D'ailleurs, il a interjeté appel. L'affaire est plutôt du côté de la cour d'appel et ça n'évolue plus. Depuis lors, on est à ce niveau. Aucun acte de corruption, aucun acte de détournement des deniers publics n'a été condamné de 2010 jusqu'à 2020. Le président de la République a fait comme nous, c'est-à-dire dénoncer. Et aujourd'hui, il revient, il dédie son mandat à la lutte encore contre la corruption. Je ne sais pas si le président, il est pris en otage. Non, s'il s'oublie pas souvent. C'est-à-dire, il dit hier quelque chose, il revient, mais quand il le dit, c'est comme s'il ne l'a jamais dit. Le procureur, je voudrais quand même appuyer sur lui un peu, Alpha Seni Camara, parce que ce que j'ai entendu, j'ai vu que c'est le prolongement de la communication du gouvernement. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Le fait de dire, je vais ouvrir une enquête, ça ne veut rien dire en réalité. Parce que pour la RPT, c'est lui qui a communiqué. Là, la presse avait fait une première communication, mais c'était pour dire que la Guinée venait d'être condamnée du côté de Paris suite à la plainte portée donc par Global Voice. Donc, quelques mois après, le procureur revient pour communiquer et il n'a même pas osé citer les noms des suspects. Il n'a pas dit qui était, n'est-ce pas, suspect dans cette affaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est par la suite, encore, c'est le même site d'information Guinée News qui a eu le courage de parler de Morlaye Youla et enfin Ousmane Camara qui seraient à l'origine, n'est-ce pas, de cette affaire de corruption du côté de la RPT. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre communication du procureur Alpha Seni Camara pour nous dire à quel niveau se situent, n'est-ce pas, ces enquêtes au niveau de la RPT. Pour Lansana Camara, du côté du ministère des Affaires étrangères, parlons-en. Il a parlé de tentative de surfacturation au ministère des Affaires étrangères. Je veux dire prétendue surfacturation de bons de carburant au niveau du ministère des Affaires étrangères. On le prend, on le met en prison. Et depuis, après, il est ressorti. On ne nous dit pas qu'il y a eu enquête, ne serait-ce que pour dire que Lansana a menti. Parce que là aussi, ça s'est dit. Si Lansana a menti, que la justice puisse venir nous le dire. Rien n'a été dit. Là également, on apprend l'affaire des 200 milliards. Le procureur écoute la colère de la population et très vite, il revient encore avec un communiqué et pour dire nous allons poursuivre, mais aussi bien pour les détournements ou les cas de diffamation. Je crois que le procureur, vous avez un travail à faire. C'est de nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire des 200 milliards. S'il y a eu mensonge, il faut pouvoir l'établir. Pour la diffamation, vous pouvez laisser ça à la HAC. La haute autorité de la communication peut bien entendu statuer là-dessus. Ou disons, on peut laisser la dame qui a entamé une bonne démarche
parce que au départ elle pensait que bon, c'est quelque chose Guinée News a relevé et puis les autres vont fermer la bouche, leur bouche, ils vont jamais parler de ça. Elle s'est rendue compte que ça ne se calme pas sur les réseaux sociaux, on est en train d'en parler dans les médias, on continue d'en parler. Maintenant elle décide de trouver un avocat. Moi je l'encourage à trouver cet avocat et à engager des poursuites contre Guinée News ou contre toute la presse qui relaie, n'est-ce pas, cette information, qu'on puisse avoir des confrontations et que, bien entendu, à travers ce qui va se passer, qu'on puisse savoir qui a raison et qui a tort. Bien. Mais ces procureurs-là, il faut qu'ils arrêtent un peu de nous blaguer. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Vous ne pouvez pas avoir une affaire de détournement sous la main, ce qui vous donne la possibilité d'être utile à la nation. Vous dites, ben, je vais faire ça, mais je vais aussi voir s'il n'y a pas eu diffamation. Je crois que tout ceci, c'est le président qui derrière doit s'assumer, doit se dire, oui, je veux combattre la corruption et pour une fois, je vais arrêter de dénoncer, je vais combattre la corruption, je vais obliger tous ceux qui gèrent les deniers publics de rendre des comptes. Bien, Jacques Léoua, Lino, vous êtes chez les GG sur Radio Espace, il faut sauver Alpha. La République de Guinée, un leadership de type nouveau depuis 2010 qui fait du dialogue et de la concertation les vecteurs d'une politique préoccupée au premier chef par leur vie et par les intérêts exclusifs de la Guinée. Un leadership capable de tisser et de fédérer des consensus dynamiques pour une gouvernance partagée. Un leadership qui combat l'arrogance et la violence. Un leadership soucieux d'une gestion vertueuse des biens publics qui refuse la confiscation de ce qui appartient à tous par un groupe ou un parti. Pour l'intérêt de notre nation, soutenons les actions du président bâtisseur, le président Alpha Condé. Venons-en à cet autre sujet, mesdames et messieurs, dans un instant, cabinet Coumara, ancien premier ministre, chef de la mission de la CEDEAO du côté du Burkina Faso, il est notre invité ce matin. Dans un instant, nous allons l'interroger, évidemment, continuer à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, est-ce qu'il y aura prolongation? On verra tout ça un peu plus tard dans cette émission. Les GG ce matin sur Radio Espace Guinée, le temps pour notre réalisateur, évidemment, de le joindre. Eh ben, c'est bien monsieur cabinet Coumara que nous allons joindre. Il est rentré du pays. Je veux dire, de Burkina Faso. Il était le chef de la mission de la CEDEAO, donc du côté de Burkina Faso. On en parle dans un instant. Je le disais tantôt, les élections en Afrique et le rôle des missions d'observation électorale au moment où l'organisation des scrutins ne permet pas encore l'alternance. La présence des missions de l'Union africaine, de la CEDEAO et de maintenant donc des organisations de la société civile du continent est une onction pour un processus qui devrait être accepté de tous. Et quelle que soit leur dénomination, elles finissent toujours par produire des rapports qui ne remettent pas en cause la crédibilité et la sincérité du vote. Et même si elles reconnaissent leur caractère souvent non inclusif, ils le disent ce matin, elles ne partent jamais au-delà des recommandations qui ont pour seul objectif de préparer donc les prochaines échéances et pour une certaine opinion, ou non, de la moindre évidemment, les missions d'observation électorale sont loin d'être une contribution à la consolidation des principes démocratiques dans nos pays. Et quel rôle devrait-on leur assigner désormais? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Monsieur cabinet Coumara, voilà, c'est bien cela, cabinet Coumara. Il a dit ce matin, son excellence, bonjour et bienvenue chez les GG. Bonjour, monsieur Guirassi. Allez-y, mon cher Daouda. Cabinet Coumara, ancien premier ministre guinéen, vous étiez à la tête d'une mission du côté du pays des hommes intègres, bien sûr au Burkina Faso. Dites-nous quelle observation globale d'abord vous avez faite du déroulement de ces scrutins. Bien, merci d'avoir de l'opportunité que vous me donnez. J'ai écouté dans votre introduction comme quoi les missions d'observation avaient parfois des inquiétudes et parfois des doutes. C'est vrai, mais c'est réutilisé. Je dois dire que quand on conduit une mission d'observation, en tout cas pour moi, vous devez faire attention à la préservation de la crédibilité à l'image des trois entités. D'abord vous-même, ensuite la mission d'observation que vous accompagnez, que vous constituez, l'institution qui vous a désigné, mais également le pays dont vous venez. Et donc, je sais qu'en partant à cette organisation, à cette mission, j'avais à défendre l'image et de la Guinée et de moi-même et de la fidélité avec, je dois reconnaître, une majorité étoilée. Et c'est en cela que même avant de quitter, j'ai informé le président de la République que je partais et que j'avais besoin de sa main sur titre. Mais je dois vous dire que je n'ai pas accepté facilement la mission
pour deux raisons. D'abord, en tant que Guinéen, je ne voulais pas que les gens me voient là-bas en disant ils ont telle image de votre pays, ceci ou cela, je ne voulais pas rentrer dans ce détail. Deuxième, la CDMM avait quelques passifs avec certains pays. Et donc, il a fallu poser des conditions, à savoir, premièrement, que je sois sûr que Burkina Faso, il y a une entente de la classe politique sur le fichier électoral. Parce que tous les éléments conflictuels commencent par ça. Deuxièmement, qu'il y ait une CENI qui est consensuelle et que tout le monde approuve le fonctionnement de la CENI. Et troisièmement, enfin, c'est très important, que tout le processus de décompte, de validation, de centralisation soit clairement défini, que chacun y ait accepté et que j'ai la possibilité par endroit de vérifier que tout ceci se fait correctement. Et donc, c'est quand on m'a assuré de tout ça que j'ai finalement donné mon accord conduire la mission, et avant de partir, j'ai écrit le chef de l'État lui-même pour dire, monsieur le président, je suis désigné à tel endroit, c'est un top d'honneur à mon pays, mais avant tout, le premier ressenteur que vous êtes. Bien. Et donner la mansuétude. Voilà. Et donc, maintenant, pour revenir à la mission proprement dite, vous savez, le Burkina Faso, quand je suis arrivé, j'ai demandé à partir quelques jours avant pour m'assurer que tout ce dont on m'avait parlé était réel sur le terrain et qu'il n'y avait pas d'éléments conflictuels qui risquaient de compromettre le développement de l'élection. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un pays fantastique où, depuis un an, toute la classe politique a travaillé patiemment pour résoudre tous les problèmes. Ils avaient une société civile extrêmement patiente, très rigoureuse, ouais. Surtout les jeunes et les femmes. Je vais dire pourquoi tout à l'heure, comment ils nous ont aidés. À la dernière minute, deux semaines avant les élections, les politiciens avaient exigé que les fichiers électoraux soient revus. Mm-hmm. Ils ont pris la vérité et dit, mais je n'ai pas de problème. Vous voulez que ce soit révisé par qui? Ils ont dit qu'ils n'ont pas confiance à la CDAO ni à l'Union africaine. Ils ont dit qu'ils ont confiance à l'Union européenne. L'Union européenne a été contactée, a dit qu'elle ne peut pas financer, mais qu'elle peut donner des experts. Et les gens se sont entendus sur ça, le travail a été fait, ils ont tous été d'accord là-dessus. Mm-hmm. Un grand acquis. Donc, j'ai vérifié ça sur place et l'Union européenne m'a confirmé ce qui s'est passé. J'avais un immense soulagement. Deuxièmement, j'ai rencontré les acteurs clés, à savoir la Cour constitutionnelle, la HAC, et là je dois vous dire qu'ils ont une HAC extrêmement tatillonne, très rigoureuse, et ils avaient fait signer, c'est important, un pacte de bonne conduite au terme duquel tous les candidats s'engageaient à ne pas attaquer qui que ce soit. Il n'y a pas eu d'invective ni d'insulte. Mm-hmm. Chacun a parlé de son programme. Bien. Alors, Monsieur Camara, comment comprenez-vous aujourd'hui ce rejet, en tout cas en ce qui concerne les observateurs? Mmh. On a écouté certains candidats la semaine dernière dans cette émission des GG. Et vous êtes parti au moment où la CDRO, quand même, avait une réputation assez, assez mauvaise au sein de la presse, une réputation qui la précédait et tout de même. Comment vous avez pu imprimer votre façon de conduire la mission afin d'éviter que l'institution puisse déjà saper vos efforts sur le terrain? Mais j'étais conscient de cette réputation de la CDAO, mais je vous ai dit, il ne faut pas conduire une mission, même si la CDAO vous demande l'Union africaine ou n'importe qui, si vous n'êtes pas assuré que les conditions conflictuelles sont levées. Moi, je ne conduis pas de mission dans des conditions où je sais que le conflit va éclater à cause des trois éléments-là. Et je suis tenu à ce que ceci soit vérifié. Et par la CDAO, et par moi-même, par deux circuits, notamment, que nous avons. Parce que vous savez que je suis membre de l'UFM, c'est donc, quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré les opposants eux-mêmes. Et le chef de file de l'opposition nous a dit ceci, et c'est très important de savoir. Il nous a dit, moi qui vous parle, c'est moi-même qui prends souvent l'initiative, je téléphone au président, nous ne sommes pas d'accord sur quel sujet, rencontrons-nous. Il dit, j'embarque avec moi toute la classe politique, et on s'assoit et discute avec le fur et à mesure. Et il nous a dit avant les élections, c'est très important, les trois principaux partis, celui du président, celui de l'ancien président Compaoré et du Zéphirin, nous sommes tous sortis de la même matrice, donc nous nous connaissons. Si quelqu'un essaie de frauder, nous savions, ça nous a fait rire, nous savions comment dire dans des partis uniques, pratiquement nous faisions. Donc on sait ce que chacun préfère. Bien. Nous sommes vigilants. Ouais. Donc nous avions une position de départ relativement saine, mais. Je dois vous dire que deux jours avant les élections, parce que je suis arrivé quatre jours avant, on avait identifié trois petits foyers qui pourraient créer des problèmes. Quand les jeunes que j'ai contactés m'ont indiqué qu'il y a cinq blogueurs qu'ils ont identifiés, qu'ils appellent les influenceurs d'opinion, qui sont en train de vicher l'atmosphère.
je leur ai dit, allez vers eux en groupe, dites-leur que nous, mission d'Assédéo, on a découvert le caractère nocif de ceux qui sont en train de faire, contrairement à la législation, qui n'arrête pas, nous allons les dénoncer. Les jeunes sont allés les voir et ils ont arrêté. Deuxièmement, un des candidats, c'est très important, qui s'est permis, contrairement à ceux qui avaient été dit, d'exhiber à la télévision deux faux cartes de lecteur, fausses cartes de lecteur, en disant que l'une est pour son concurrent et ceci. Oui. Je trouve que c'est suffisamment dangereux. C'est nous avons alerté le hack pour dire que si c'est vrai, il faut absolument rappeler le monsieur à l'ordre et passer dans toutes les communautés confessionnelles le caractère absolument injuste et incorrect de cette information. Monsieur Komara, bon, finalement, il y a eu le processus est allé jusqu'au bout puisque les résultats ont été communiqués. Mais on n'oublie pas ces réserves qu'avaient, n'est-ce pas, les opposants, notamment dans, je crois, le transfert des résultats, la remontée, n'est-ce pas, des résultats. Il y avait en tout cas des incompréhensions et certains partis d'opposition avaient même menacé de ne pas reconnaître, n'est-ce pas, les résultats qui ont été communiqués. Finalement, on n'en est pas arrivé là, mais dites-nous quel rôle une mission d'observation comme la vôtre a pu jouer dans ce genre de situation. Bien, vous avez parfaitement raison de relever ce point. C'est cela qui a fait capoter toute la tranquillité de l'élection. Et c'est en cela qu'il ne faut pas accepter que vous conduisez une mission d'observation qui n'est que statique. Moi, quand je conduis une mission d'observation, je la conduis de bout en bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est convenu au Burkina Faso que le système de centralisation se fera au niveau de la commune et tous les candidats ont les résultats des bureaux de vote qui se retrouvent à la centralisation. Maintenant, au niveau de la commune, c'est saisi par ordinateur et transmis électroniquement. Mais en même temps, il y a la compilation papier dont chacun doit détenir une copie. La série s'était permis le lendemain matin, à partir des éléments électroniques, de commencer à diffuser les résultats. L'écart des présentants très important entre le président et les opposants, ceux-ci se sont révoltés tout de suite, ont passé un communiqué comme quoi ce que la communauté faisait était injuste et qui rejetait les élections, c'était comme ça. Naturellement, nous, les observateurs, je réunis les autres à 5h du matin, on se réveille à 9h, là, c'est un décret, nous sommes allés vers les opposants. Nous avons d'abord demandé à la CENI de stopper, parce que, contrairement à la loi, ils doivent attendre que les éléments papier soient à la disposition pour que les gens confrontent avant la publication du président. Je dois dire au passage que Burkina, chacun peut suivre sur l'ordinateur tous les résultats, chacune des communes. Donc il n'y a même pas besoin de fournir, même, vous savez, quand le mois est là, il faut l'enrichir. Nous sommes d'ailleurs de voir la tête de stopper. Parce qu'entre-temps, les opposants avaient retiré leurs 5 commissaires. Nous sommes d'aller voir les opposants. Et croyez-moi, ils nous ont fait faire d'une litanie de sujets. On comprenait la base, mais il y avait deux éléments clés là-bas. L'élément clé, c'est le problème de la centralisation faite par les électeurs sans attendre la compilation papier, et deuxièmement, un certain nombre de bureaux de vote qui ont été ouverts en retard. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, félicitations à vous, parce que visiblement, ça a l'air d'être une mission qui est réussie, et lorsqu'un Guinéen réussit une telle mission à l'étranger, ça rejaillit forcément sur notre pays, donc, et la Guinée est à l'honneur. Donc je vous félicite pour la réussite de votre mission. J'ai trois questions, ou plutôt une question et deux commentaires à faire. La première, c'est après cette expérience burkinabé, vous l'avez dit, le Burkina est un très très beau pays, où il y a des hommes politiques conscients des enjeux pour la nation. Quelle expérience tirez-vous de cette réussite? La deuxième question, vous avez parlé de la CENI que vous avez indexée, et les CENI sont issus malheureusement, pour ma génération, de la conférence de La Baule. Est-ce que vous faites un diagnostic sévère vis-à-vis des CENI, et quel serait votre diagnostic à faire, ou l'autopsie que vous feriez aujourd'hui de l'avancement du système démocratique en Afrique de l'Ouest? Et la dernière question, pourquoi des hommes comme vous sont utiles à l'étranger, c'est-à-dire au Burkina Faso ou ailleurs? Vous êtes renommé en Égypte, on connaît votre parcours de banquier, et en Guinée, on a des individus comme vous qui est capable d'organiser des élections, d'avoir les réactions qu'il faut, de faire en sorte qu'il y ait des consensus entre les hommes politiques, et on ne fait pas appel à des talents comme vous. Pourquoi? Bon, alors, je vais tellement répondre à vos questions. Si vous avez constaté, lorsque RFI m'avait demandé au Burkina après les élections, je me prononce, je leur ai dit, je n'aurais pas dit les élections sont bien passées, mal passées, je leur ai dit que ces élections ont situé un tournant
important pour le rapprochement de la démocratie au Burkina Faso. Je le disais pour trois raisons. Et quelques trois raisons, vous me permettez, constituent la réponse à ma deuxième question. Ce pays a la chance d'avoir une classe politique où les gens, dès le départ, ont compris l'importance du dialogue, que ce soit les chefs de l'État, les partis au pouvoir, l'opposition. Chaque fois qu'il y a un problème, les gens se réunissent. Ensuite, il y a une société civile qui est très proactive, qui s'auto-saisit des problèmes, particulièrement les femmes et les jeunes. Elles sont d'une rare sagacité et d'un rare patriotisme. Et je peux vous dire que quand les opposants, et ça c'est très important que vous notiez ça, quand les opposants ont relevé toute une litanie d'insuffisance, nous nous savions que la société civile, du côté des femmes particulièrement, avait déployé 3000 personnes sur le terrain. Et ce que ces femmes faisaient, c'est-à-dire, elles passent dans chaque bureau, dès qu'il y a une insuffisance, erreur pour passer à la CENI pour corriger. Ce qui fait que quand un tel opposant dit tel bureau a manqué d'éléments à 9h, il ne savent pas que la 9h30 a dit que ça a été rectifié grâce à l'intervention des femmes et de la CENI. Donc, nous avons dit d'aller vers ces opposants et de leur montrer tout ce qu'ils ont fait, qu'elles ont fait depuis à la fin de la journée. Et quand ils ont vu ça, ils ont compris eux-mêmes qu'une bonne partie de leur réclamation ne tenait pas. Mais si ça venait des observateurs, on peut dire ah oui. On n'a pas de terrain, vous avez fait. C'est pour ça qu'il faut très, bien à la base comprendre la sociologie, la structure politique du pays et les rapports de force. Pour utiliser tous les leviers pour que vous puissiez convaincre les uns et les autres sans jamais tricher par rapport à la vérité. Dans notre rapport, nous avons été clairs sur les individus, mais nous avons dit vous voyez les résultats vous-même. Et quand les femmes ont montré ça, les femmes, les partis politiques ont renvoyé leur personnel. Au niveau de la CENI, j'ai demandé au chef de l'État aussi de dire à la CENI de ne pas se presser. Tout le monde était d'accord. Au fur et à mesure que les résultats se publiaient, naturellement les gens changeaient. Donc, ma deuxième question, la bonne réponse, la bonne leçon du Burkina, c'est un pays où les gens ont compris que par-delà tous les problèmes qu'ils ont, s'ils ne s'entendent pas, ça va aggraver la situation. Ils sont déjà pris en guerre, en conflit avec les djihadistes. C'est essentiel qu'ils aient un consensus pour dérouler le programme. Et chacun, foncièrement, je vous le dis, est d'accord dans ce sens-là. D'ailleurs, quand vous direz les papiers que l'opposition a signé, vous allez pour l'intérêt supérieur du pays, c'est un acte de résultat, il s'agit de résultat. Et chacun est allé féliciter le président. Mais je sais qu'il est venu la veille parce qu'il a réussi à se prendre le plus d'esprit. Maintenant, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, vous savez, les différents pays évoluent à des rythmes différents. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons dit que l'exemple burkinabé doit être une école dont tout le monde doit se saisir. Pourquoi? Parce que le Burkina n'est pas différent de ce nom. Nous avons chez nous beaucoup de femmes dynamiques, de jeunes qui ont une société civile, qui ont beaucoup de structures, mais il faut qu'elles soient responsables quand on les écoute. C'est valable ici, c'est valable au Mali, c'est valable en Côte d'Ivoire, c'est valable au Sénégal, c'est valable partout. C'est très important. Une société civile responsable, vigilante, active, proactive même. Alors, Monsieur Camara, quel parallèle pourrait-on faire avec le déroulement des élections chez nous? Vous êtes un observateur aguerri. Vous l'avez dit que vous n'acceptez pas d'aller, par exemple, dans un pays où tous les paramètres ne sont pas réglés. Et c'est ce qu'on a vu du côté du Burkina, malgré les quelques suspicions qu'on a pu avoir avant la proclamation des résultats. Les choses se sont plutôt bien passées, il faut le dire. Quel parallèle pourriez-vous faire avec le déroulement des scrutins chez nous ici en Guinée, parce qu'au lendemain de la présidentielle du 18 octobre, il faut le dire, il y a quand même eu beaucoup de critiques à l'endroit de la mission d'observation de la CEDEAO. Écoutez, les cas sont différents. Vous savez, en Guinée, il y a un double scrutin. Dans un contexte, il y avait des contestations, des constitutions que le Burkina ne connaissait pas, n'a pas connu. Donc, le Burkina était bien en avance par rapport à la situation guinéenne. Donc, le cas était vicié par tout cet ensemble de protestations qu'il y a eu. Je pense que si nous devrions refaire des élections, c'est essentiel que tous les contrats soient vidés avant la tenue des élections. C'est essentiel. Bien. Il ne faut pas qu'une partie se sente forte pour pouvoir s'imposer aux autres. Il faut que tout soit vidé avant d'aller aux élections. Quand ceci est fait, croyez-moi, le résultat passe comme il est à la poste. Allez-y, mon cher Moïse. Allez-y. Alors, monsieur le Premier ministre, juste une dernière question, puisque nous sommes pris par le temps, malheureusement. Nous connaissons votre humilité, votre attachement à vos différents liens d'amitié. Vous étiez à Ouagadougou, et à Ouagadougou, Dadis Camara y est depuis quelque temps. Est-ce que vous l'avez rencontré? Nécessairement, je suis allé lui rendre visite.
Et vraiment, je les, croyez-moi, je les remercie parce que une partie de ce que je suis aujourd'hui vient du fait que j'ai été nommé Premier ministre. Quel que soit ce qui soit passé par ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas ingrat de nature. Ma mère me disait qu'on peut tout faire par obligation, pas de l'ingratitude. Et c'était très facile de notre rencontre, c'était passé avec mes compatriotes. Je les remercie. Ils m'ont aussi beaucoup remercié. C'était très facile de me dire que je ne peux pas dire ici, mais qui m'ont sincèrement honoré qu'il a l'habitude de dire que vous entendez. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Monsieur Cabinet Comara, qui était avec nous en direct. Et voilà, on leur souhaitait d'avoir ici un studio, malheureusement. À son retour. Voilà, ouais. Qu'est-ce que c'est, Lucien? Alors, moi, je trouve quand même, Lamine, que, vous savez, au moins pour des cas, des occasions de ce genre, on peut être fier d'être Guinéen. Voyez-vous, mais quand on dit qu'on n'est jamais roi chez soi, je pense que c'est Cabinet Comara une illustration parfaite. Imaginez un tel personnage à la tête de la CENI. Imaginez qu'il a été mis le pied à l'étrier au lendemain de ces élections contestées depuis les législatives. Imaginez ce qu'il aurait pu faire. Parce que la condition sine qua non à son départ à Ouagadougou, ce n'était pas la prime qu'il devait recevoir de la CEDEAO. Ce n'était pas les caisses dans lesquelles devait rouler sa mission. Non, il a demandé qu'il ait les mains libres. Merci. Et qu'il puisse dire clairement ce que se passe sur le terrain. Je trouve qu'il est dommage. Dans son pays, il n'y a même pas un début de dialogue. Lui, il est parti, il a rendu fièrement cette mission. Je pense que c'est à l'honneur de ce peuple. Et puis, un clin d'œil à nos gouvernants. Ce n'est pas voilà, encore voilà, tard. Voilà un tel personnage qu'on laisse tomber. Ce n'est pas encore tard. Allez-y, madame. Vous le mettez à la tête de la CENI, il sera décrié par l'un ou l'autre camp. Voilà. Parce que la Guinée, on n'est jamais suffisamment objectif pour dit. Mettre en avant les compétences des personnes. On en a beaucoup. Voilà. Cabinet Comara, Lucien Ifal. Et le président du PDN, l'ensemble, il y a tellement de cadres qui sont, comment on appelle, rompus à la tâche, qui peuvent apporter des choses extraordinaires à ce pays, mais ici on ne voit pas le talent, on voit la tête de la personne. Bien c'est dit. Dommage. Allez-y. Moi je crois que c'est cet hommage qu'il a rendu à la société civile burkinabé qui m'a le plus impressionné, parce que là, on en a besoin. Ouais. On a besoin d'une jeunesse active et dynamique, on a besoin des femmes, comme on s'engage avec intégrité, et notre société civile, comme d'ailleurs on le sait avec Balais Citoyens et autres, on doit prendre le Burkina comme pays école. Mais moi, j'ai voyez que tout ce qui a été dit est effectivement vrai. Une chose, il a rendu hommage, et ça, nos hommes politiques ici doivent en prendre de la graine, il a rendu hommage au patriotisme et à la conscience des hommes politiques burkinabés face aux enjeux de leur pays. Et ça, c'est important. C'est un message, je pense, qu'il envoie indirectement ici à nos hommes politiques. Oui, une même classe politique quand même qui s'est disputé un même poste, un seul poste. Donc vous avez des anciens ministres de Compaoré qui se retrouvent là et qui comprennent quand même quelque chose, le sens du dialogue et la tolérance. Parce que chacun aurait pu dire il faut moi, mais on a bien compris, parce qu'on ne l'oublie pas, Kabore est l'un des rares présidents au sortir des transitions amorcées au début des années 2010 à remporter l'élection présidentielle en 2015 dès le premier tour. Donc c'était pas étonnant de le voir remporter encore cette élection cette fois-ci de cette façon. Merci. Mais c'est difficile d'avoir en face quelqu'un qui pouvait dire bon, il faut moi forcément. Jacques Léo, c'est difficile. Hein, allez. Grand merci à vous tous. On se quitte avec ces quelques messages, évidemment, avec Diallo Télésage qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour Lamine. Le problème en Guinée est que la population est très passive, très passive, il veut dire, et moins exigeant. Et non, les actes de corruption devraient faire donc l'objet de demandes plus fortes. Manifestation, par exemple, Nabaya Gate doit servir d'exemple. At Moussa Moïse Silla. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Younoussa Tounkara. Si le président a dénoncé pendant 10 ans sans sanction, vous ne pensez pas que c'est à nous autres de l'aider pour stopper cette saignée financière? Nous devons cette fois-ci pousser l'État d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Si c'est Banque Congo aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Après la déclaration publique donc du gouvernement dédouanant la dame de tout soupçon de détournement, c'est au tour de l'accuser de saisir la justice et devrait plutôt apporter les preuves de son
innocence que d'être toujours dans le discours victimaire. Bon, ridicule. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Mesdames et messieurs, dans un instant sur Radio SFM. Est-ce que j'ai deux autres messages aussi hein, voilà. Il faut que j'essaie de lire ce message. Voilà, c'est de Marouane qui nous envoie ce message. Évidemment, ça s'adresse à notre ami Daouda dans ce studio. Daouda, félicitations. Donc, il dit que c'est un journaliste complet à l'écrit et à l'oral. Il a le sens de la réserve avec la pédagogie juste professionnelle. Merci. Bonne chance à toi, mon frère. C'est Marouane du côté de Nostalgie Guinée qui nous envoie ce message. On a terminé ce matin. Mesdames et messieurs, dans un instant sur Radio Espace, c'est la playlist que vous allez avoir. Et sur Espace TV, la belle Aïssa Toussané vous retrouve avec évidemment la rediffusion de votre édition d'information le 20h. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Grand merci à Doua Diaby pour la réalisation de l'émission. À notre ami Kabino Kondé du côté de la télé. À Poutine, entre autres, et à Mafata Sano, RPG. Prenez soin de vous. Au revoir.